Good morning, Ale Iden. L'étude sera aujourd'hui les Lunishmat Peggy Bat Esther, Lisa Lisa Bat Frecha, Zara Bat Mazaltov, Shishbor Tishkuka Bat Fritna, et l'Avdil Ben Achaim Lachaim, Lirfuat Amram Yona Ben Chana, Betor Shal Chole Israël, El Narvanalo, El Narvanalo, El Narvanalo. Et on étudie aujourd'hui Sanhedrin Perikvav Mishnah Hey, Amar Rabbi Meir. בזמן שאדם מצטער שכינה מה לשון אומרת כביכול קלני מראשי קלני מזרועי אם כן המקום מצטער על דמם של רשעים שנשפך קל וחומר על דמם של צדיקים ולא זו בלבד אלא כל המלין את מתו עובר ולא תעשה הלינו לכבודו להביא לו אהרון ותכריכים אינו עובר עליו ולא היו קוברין אותו בקברות אבותיו אלא שני בתי קברות היו מתוקנים לבית דין אחד לנהרגין ולנחנקין ואחד לנסקלין ולנשרפין. Trois sujets dans notre Mishnah. Les deux premiers sont liés à la Mishnah précédente. On avait évoqué que après exécution, il fallait pendre le condamné. On le suspendait en l'air par les mains, histoire de publier la gravité de la faute, que tous les passants, que tout le monde prenne peur. Ça marque davantage, bien sûr, de voir une personne exécutée, de le voir suspendu, de se dire, on n'a pas intérêt à transgresser les mitzvot de la Torah, c'est trop grave. Mais d'un autre côté, on apprenait aussi en même temps, la mitzvah l'interdit de le laisser passer la nuit suspendu, et le devoir d'aller l'enterrer le plus vite. Ouais, parce que c'était l'otalin nivlato à la etz, tu ne laisseras pas son cadavre suspendu sur le bois toute la nuit, la lune s'est passée la nuit, qui kavortikberenu, mais tu l'enterreras, qui kilelat elokim talouy. On avait expliqué la gravité, c'est ce mot justement qu'on va interpréter dans la première partie de notre Mishnah, car littéralement, kilelat, c'est la malédiction, elokim d'Hachem, le fait que cette personne, donc le pasuk a parlé essentiellement du cas où quelqu'un a maudit, a blasphémé, donc le fait qu'on va le laisser suspendu, d'un côté c'est bien parce qu'on va voir. Ça, on va prendre peur et on va plus craindre Hachem, on va plus vénérer Hachem. Mais d'un autre côté, le simple fait de songer que c'est possible qu'un être humain ait osé faire une aussi grave avéra, alors, quelque part, ça déshonore, ça enlève de l'honneur d'Hachem. Parce qu'on a, d'accord, comme l'exemple qu'on avait rapporté, si je vous raconte comment le roi, il a été humilié, alors certes, vous allez peut-être bouillir comment votre roi tant aimé, il a pu être humilié de la sorte, mais d'un autre côté, ça vous laisse place dans le cœur sur la possibilité, l'éventualité, Bichlal, de faire honte au roi, et c'est en soi-même un déshonneur pour Hachem. Donc c'était ça le sens du mot, qui est là, telokim taloui, car celui qui a maudit, en fait, la malédiction de Hachem, faut pas le dire, mais... Donc celui qui a osé maudire Hachem, il est suspendu. C'est ça, la traduction au sens simple. On va, dans la première partie de notre Mishnah, interpréter le mot, kilelat elokim, et avant de lire et traduire, parce que ça n'a pas tellement de sens, c'est tellement incompréhensible ce qu'il y a écrit, j'ai beaucoup peiné pour interpréter un tant soit peu ce qu'il y a écrit. Dans les mots, c'est difficile à faire entrer. L'idée, elle est claire. Donc je vais d'abord exprimer l'idée du fait que, tout d'abord, sans le faire entrer dans le pasouk, après je vous explique en dans le pasouk, et puis après on lit, on traduit, on avance. Notre Mishnah va venir, le Rabbi Meir va déduire de l'enseignement du verset de la Torah, va déduire que Hachem, sous Kiviachol, si on peut parler de la sorte, mais la Shrina d'Hachem, elle peine lorsque un juif est en souffrance. Lorsqu'un juif souffre, en l'occurrence, de quel juif on parle de cette personne exécutée qui est là, suspendue. Il y a ici le Yehin Arekar qui précise qu'on parle, étant donné qu'il a fait tchouva avant de mourir, donc il est mort, il a fait une très grave avéra, et il doit mourir, comme on avait appris dans le perek précédent. Vod Rishaim Rina, celui qui a transgressé une grave avéra consciemment, il doit encaisser sa punition. Mais malgré tout, la Shrina d'Hachem, elle souffre et elle a de la peine pour lui. Et la Mishnah va nous déduire, regarde donc, c'est-à-dire notre approche qu'on doit avoir au moment où on va condamner à mort, en fait, il est que certes, on fait ce qu'il faut faire, mais on a énormément de peine, car dans le ciel même, on a de la peine sur le juif même, qu'on est obligé d'arriver dans une situation pareille. On pourrait comparer ça en fait à un père qui n'a pas le choix de sévir de temps en temps. Ouais, on est tous des parents, on sait tous très bien, des fois on fait des remarques aux enfants pour qu'ils se reprennent en main, et ça arrive que les mots ils restent à l'entrée de l'oreille, et il faut les pousser un petit peu pour que ça rentre plus profondément. Il y a des fois où il faut même sévir, l'enfant il a transgressé
il a fait quelque chose de grave, il faut absolument qu'il comprenne que c'est grave. Il faut lui, pour lui faire comprendre, ça ne suffit pas de lui crier, de lui menacer. Parfois, il faut même, bon, ne le dites pas, j'ose avoir des problèmes si je dis dans un cours public qu'il faut corriger, mais en tout cas, donc je ne le dis pas, mais vous m'avez compris. Et concrètement, dans la Torah, c'est bien sûr qu'il faut le faire. La Torah cautionne ça. Elle cautionne, mais chas v'shalom, jamais avec envie de détruire l'enfant, mais au contraire que de le construire. Et parfois, pour bien marquer l'enfant, il faut absolument marquer combien on est en colère et combien même ça vaut pas le coup. Et il faut d'accord, corriger tout simplement. Et un bon père, quand il a été obligé d'utiliser parfois les mains pour expliquer à l'enfant, eh ben, on a sûrement tous été confrontés à la situation, on sent mal, on est très triste. On aurait préféré que notre enfant soit directement bon. Dans la mesure où on s'est retrouvé dans cette situation, on n'a pas le choix, mais on est très peiné. Selon le même principe, la Mishnah nous raconte qu'Hachem est aussi très peiné. D'accord ? Très peiné au moment où il y a un juif qui va être condamné à mort. Il est la Shrina d'Hachem, elle est très peinée, c'est ce que le Rabbi Meir nous dit. Amar Rabbi Meir, lorsque Rabbi Meir nous enseigne, Bizman Shadam Mistaer, lorsqu'un homme souffre, donc on parle de celui qui a été condamné à mort, et qui souffre, ça veut dire qu'il est, il a maintenant une dure épreuve d'être mort, suspendu. Shrina ma lachon omeret, de quelle manière la Shrina se lamente sur lui, qui via chol, si on peut dire, parce qu'en réalité c'est plus profond, mais c'est exprimé de la sorte, kalani meroshi, kalani mizroi. Ça a été, sans le faire littéralement, le principe, ça veut dire comme ma tête est lourde, comme mon bras est lourd. Soit quelqu'un qui est exténué moralement, il est fatigué, il n'a pas le moral. Il sent toute sa tête qui lui pèse et ses bras qui lui pèsent et il n'a pas envie d'avancer plus que ça. D'accord ? C'est ce que le verset, c'est ce que le Rabbi Meir nous dit, que la Shrina dit Kalani Meroshi, Kalani Mizroi. Littéralement, maintenant, le mot Kalani, ça veut dire je suis léger. Donc je suis plus léger que ma tête, je suis plus léger que mon bras. C'est compliqué comment expliquer, la Gemara propose plusieurs solutions. En tout cas, c'est le principe. Bartonora va nous dire comme ma tête est lourde. D'accord ? Il y a le marchand qui explique pourquoi Kalani, pourquoi ma tête et pourquoi mon bras. C'est là où on met les tefilines. Hachem aussi met les tefilines pour le Ham Israël. Où il y a là-bas écrit le Yichud du Ham Israël, comme nous on met les tefilines, où il y a écrit le Yichud Hachem. Hachem aussi met les tefilines, c'est la Gemara dans Brachot. En tout cas, donc, ça, Rabbi Meir le déduit du fait qu'on a dit qui qu'il est lat Elohim Taloui. Lorsque ce mort il est suspendu, si on le laisse. Alors il y a le kilelat et le kim. C'est quoi kilelat? Il explique le mot kilelat qui a le double lamed. Donc ça fait kal kal, kalani kalani, kalani meroshi kalani mizroi. Et alors Rabbi Meir de déduire imkena makom mitztaer al damam shel reshaim shenishpach. Regardez, si la Shrina elle a tellement de peine, alors que finalement c'est quelqu'un qui a transgressé, qui a fait une grave avéra et qui a été condamné. Certes il a fait tshuva, mais quand même il faut le punir pour l'honneur d'Hachem, il faut sévir et le condamner à mort. Et regardez que malgré tout la Shrina, elle a de la peine pour un tel homme. Alors, Kal Vachomer Aldamam Shel Tzadikim, combien plus forte raison pour le sang des justes qui est versé, apparemment, sans justice, combien la Shrina a encore plus de peine et plus désir de venger les bons juifs assassinés à cause ou grâce par leur judaïcité. Et selon le même principe, donc, la Shrina a encore plus de peine, donc encore plus envie d'intervenir. On a fini la première partie de la Mishnah qui était un peu plus moussarite, et on continue maintenant avec, on revient encore sur l'interdit de laisser un mort suspendu, avec la mitzvah de l'enterrer vite. De là on apprend aussi veloz ou bilvad, et pas uniquement pour les personnes exécutées. Et la kol amelin et meto, tout celui qui laisse sont morts la nuit, c'est-à-dire on a une mitzvah dans l'enterrer le plus vite, et non de le laisser passer la nuit, tout celui qui va laisser un mort, son mort, passer la nuit pour rien, au verbe l'otasil transgresse le même interdit. Il y a un pasouk, un mot supplémentaire, qui kavor tik berenu, et une insistance sur le pasouk pour inclure tous les cas. Dans tous les cas, on doit se dépêcher d'enterrer au plus vite un mort. Malgré tout, la Mishnah enseigne si toutefois on a fait passer le mort pour la nuit, on l'a fait passer une nuit au mort, mais c'était pour pouvoir lui apporter lui faire une belle levaya, une belle oraison funèbre, en lui apportant un Aaron, un
de nouveau, j'oublie ce mot à chaque fois, il m'échappe, c'est dur. La boîte dans laquelle on, le cercueil, pour l'apporter un beau cercueil et un cercueil honorable, au lui apporter des tachrichim, aussi c'est les linceuls, si je ne me trompe pas, c'est le vêtement avec lequel qu'on met sur le mort. Donc c'était cette fois-ci pour l'honneur du mort, on a dû traîner pour l'enterrer, donc le laisser passer la nuit et l'enterrer que le lendemain. Alors là, et non, vers Alav, on ne transgresse plus. J'avais vu, je ne sais plus où, voilà, c'est rapporté dans le Tifrat Israël. Idem encore, si on veut le laisser passer la nuit pour que plus de gens puissent participer à son oraison funèbre, lui donner plus d'honneur, ou Adin Bemeleno chez Yahou, Vitasfou Kovav, Oleashmiya Bayarot, c'est rapporté dans le Yoredea Simanchin Nunzaïn. C'est là-bas toutes les Lichot Avelout en fait. Et enterrement et Avelout. D'accord ? Et non, vers Alav, si c'était pour son honneur. On passe maintenant à un dernier sujet. Et la Mishnah nous enseigne. Velo ayu kovrin oto bekivrot avotav, el ashnei batekvarot ayu metaknin el bet din, echad el anoragin el anachanakin el echad el anisrafin el anisrafin. Velo ayu kovrin oto bekivrot avotav. On ne l'enterrait pas dans la parcelle de ses pères, dans le cimetière où sont enterrés ses pères. Il y a à l'époque, on avait déjà appris ça dans Baba Batra, les familles étaient tous enterrées en même temps dans une même parcelle. Tous les membres de la famille étaient tous enterrés au même endroit. D'accord ? C'était un grand honneur pour la famille. Eh bien, celui-ci qui était condamné à mort, on ne l'enterrait pas avec ses ancêtres, mais plutôt... El ashnei bategvarot ayum etukanin bet din. Le bet din avait deux cimetières pour les exécuter. Dans l'un, echad la neheragin vela nechenakin. Un, pour ceux qui étaient neherag, c'est celui qu'on a décapité. Vela Nechenakin, on apprendra dans le prochain Pérec comment on décapitait et comment on étouffait. Vela Nechenakin pour celui qui était égorgé. Ve'echad la Niskalin vela Nisrafin. Et un autre cimetière pour ceux qui ont été lapidés. Vela Nisrafin, ceux qui ont été brûlés, comme on apprendra de quelle manière on brûlait à l'époque. Soit, notre Mishnah nous enseigne donc que la personne qui a été exécutée, peu importe la manière dont le Bedin l'a exécuté, quelle était sa mitat Bedin qu'elle a eue, on ne l'enterrera pas ensuite, on ne le laissera pas, on n'ira pas l'enterrer dans la parcelle de sa famille, dans le cimetière classique, mais plutôt on l'enterrera au Bet Din. Il y avait là-bas, à côté du Bet Din, deux cimetières, un pour les Neheragin et les Nechanakin, pour ceux qui étaient donc strangulés ou décapités, et ceux qui étaient lapidés ou brûlés. Pourquoi il y avait d'abord ces deux Bet Dinim, et pourquoi on ne l'enterre pas avec ses pères? De là, on apprend une halakha très importante, c'est qu'on n'enterre pas un rachat à côté d'un tzaddik. Vous allez voir d'ailleurs, si vous passez dans les Bet Akvarot à Jérusalem, il y a des fois, il y a marqué Chelka Tchomre Shabbat, Chelka Plonit, Chelka Intel, Chelka Intel. C'est la parcelle pour ceux qui sont Shomer Shabbat. Quelqu'un m'a demandé une fois, quand on était dans un cimetière, pourquoi on a mis un cimetière spécialement pour les Shomer Shabbat, quoi, c'est quoi cette discrimination? C'est pas une discrimination, c'est juste qu'il y en a. Selon le nombre de fautes qu'on a fait dans la vie, on attire plus ou moins les vers. D'accord ? Le corps il est pourri. Et selon ça, il y a des raisons beaucoup plus profondes, de mazikines qui viennent autour et tout ça. Et quelqu'un qui a été un tzaddik dans sa vie, on ne doit pas, qui a été chômeur, Torah, mitzvot, il ne doit pas être enterré à côté d'un quelqu'un qui était rachat. Il y a une souffrance pour le corps d'être enterré à côté de quelqu'un qui n'était pas pratiquant. Il a transgressé plein d'avérotes, et bien qui paye tout seul aujourd'hui, on n'a pas besoin de se coller à lui. D'accord ? Ça, c'était pour la Mishnah. Selon ce principe, même à l'intérieur de personnes qui ont transgressé des graves interdits de la Torah et qui ont été condamnées à mort, malgré tout, on fait une différenciation entre eux. Il y a, comme on avait évoqué, on apprendra dans le début du prochain Pérec, les quatre sortes de condamnations à mort, Skila, Srefa, Erek, Vechenek, il y a quatre niveaux, on apprendra l'ordre exact, et ben on les classe deux par deux en disant que les deux de la classe moins grave, on ne les enterre pas avec les deux de la classe plus haute. Vous allez me dire, alors pourquoi ne pas faire 4 bedin? Ça, c'est une halakha de Moshe Messinaï qu'on fait juste 2 batedinim. D'accord? Il y a peut-être ici un remez pour nous dire que ça va, ne commencez pas à enterrer chacun selon lui. C'était un tzaddik qui étudiait 10 heures par jour et l'autre, il étudiait que 9 heures. Non, peut-être qu'à un certain niveau, on fait plus de différenciation. Mais malgré tout, par palier, par tranche, alors on sépare chacun à son niveau. D'accord? Donc en tout cas. Donc ça va faire un cimetière spécialement pour les Neheragim et Nechanakin, les deux niveaux inférieurs, on les met ensemble, mais on les mélange pas avec ceux qui sont lapidés ou brûlés, qui ont transgressé d'avérotes beaucoup plus graves, on les enterre pas l'un côté de l'autre. Et on apprendra dans le prochain Mishnah ensuite
l'évolution ensuite, qu'on pourra ensuite récupérer les os et les amener ensuite dans le keder de ses parents. Ça sera dans la prochaine Mishnah. On fait à présent le Bartenora. Bizman shadam mitzta'er, lorsqu'un homme souffre, il peine, c'est-à-dire chez pour anot ba'a alav ba'avono, lorsqu'il a un malheur qui s'abat sur lui à cause de sa avera. Alors, ma lachon omeret, be'eze lachon shchina kovelet omenodedet alav. De quelle manière la shchina a de la peine et se plaint pour lui, pour se lamente sur lui. Kalani me roshi, roshi kaved alai, comme ma tête est lourde, comme quelqu'un qui est complètement découragé, il a, sa tête, elle n'a même plus envie d'avancer, il est épuisé, il a envie de rester sur place. Vezroi kaved alai, et mon bras, il est lourd. Kadam Shoaïef, si vous voulez approfondir le sujet, il y a ici un Tiferet Israël qui met une remarque très intéressante. J'ai pas réussi, je l'aurais rapporté, mais j'ai pas réussi à percer exactement qu'est-ce qu'il veut dire. Je préfère pas trop rallonger non plus. Kalani, c'est quoi ce mot Kalani? Alors le Bartenora l'interprète, c'est pas que je suis calme, mais c'est plutôt Eini calme Roshi, je ne suis pas plus léger que ma tête. Genre, c'est une manière pour lui de dire ma tête est tellement lourde que je suis pas plus léger que ma tête. C'est compliqué à moi. D'accord. Veloze bilvad. Ensuite, deuxième partie de la Mishnah, on sera porté sur l'interdit de laisser passer la nuit aux morts. Veloze bilvad over belota seim leno. Ouais, il y avait un problème de. On a l'impression que la deuxième partie de la Mishnah se rapporte sur la première. Alors le Bartenora vient le corriger, je dis non, non, on se rapporte sur la Mishnah précédente. Veloze bilvad. Pas uniquement celui-ci, l'exécuter over belota seim leno, on transgresse l'interdit lorsqu'on le laisse passer la nuit. Mais même toute personne, il ne faut pas laisser traîner. Ensuite, troisième partie de la Mishnah, ça se rapporte maintenant le Bartenora. Loyo kovrin oto bekivrot avoten, on ne l'enterrait pas dans le cimetière de ses parents. Les fichiers en kovrin racha et tzal tzadik. On n'enterre pas un racha, un impie, à proximité d'un tzadik. Shnek varot ayum et tukanin el bet din. Deux cimetières se trouvaient à côté du bet din, qui était dans la propriété du Bet Din pour enterrer les condamnés à mort. Les fichiers en kovrin mishinitraev mita chamura et tel mishinitraev mita kala. Car on n'enterre pas l'un à côté de l'autre celui qui est mort avec une grave condamnation à mort, avec celui qui a été décédé, qui a été exécuté par une condamnation à mort moins grave. On ne va pas dire plus légère, parce qu'elles sont toutes graves, mais en tout cas moins violente. Ça fait preuve de la avera grave qu'il a transgressée. Vilchetek mirela. Alors le Bartenora vient répondre tacitement à une question. Vous auriez pu me dire, alors quoi? Fais 4 bategvarot, fais 4 cimetières, comme ça il y en a pour chaque. Ce qu'il a, srefa, hereg vechenek. Comment tu vas mettre les niskalim, nisrafim, beyachad ensemble? Alors le Bartenora nous répond, ça c'est une halakha de Moshe Sinaï qu'on fait juste 2 cimetières et pas 4. On a fini la Mishnah. Je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha, kol tov, salam.